interessant, aber ja, ich glaube, Sie werden alle mit mir einverstanden sein, dass eigentlich die Verwaltung der Ressourcen am wichtigsten ist. Jetzt, wie versprochen, ist die Zeit für Ihre Fragen. Hier habe ich schon Fragen, die durch Ihre Anmeldeformulare an uns gekommen sind. Leider haben wir keine Zeit, auf alle Fragen zu beantworten, aber auf einige davon schon. Und die erste Frage richtet sich an die beiden Länder, an Deutschland und an Frankreich. Herr Bayard, was waren die Probleme und die Erfahrungen bei der Implementierung der Maßnahmen für Energieeffizienz in Frankreich? En fait, les problèmes rencontrés sont de l'ordre de l'effet d'échelle. Parce que lorsqu'on est, c'est ce que je disais tout à l'heure à la fin de la présentation, lorsqu'on est avec des structures, des petites exploitations, on sort un peu du scope envisagé par l'État, puisque l'État incite. Parce que l'incitation en France, c'est pas réellement forcément des primes et autres, c'est simplement une certaine défiscalisation qui peut arriver. Le problème, c'est sur cette défiscalisation arrive à partir d'une certaine taille d'exploitation. Donc, dès qu'on est sur des exploitations qui sont de l'ordre de la mienne, on est effectivement avec absolument aucune aide. Donc, on doit payer par soi-même et essayer d'envisager une rentabilité, à minima, effectivement, s'en sortir sans trop laisser de plumes. Donc c'est le problème qu'on peut rencontrer, mais en même temps c'est très responsabilisant et ça change effectivement notre manière de voir. Je pense que cette filière-là, elle a aussi effectivement cette chance énorme, c'est qu'elle nous permet d'avoir un rapport différent avec l'énergie et d'avoir un rapport différent avec la nature aussi. Il y a un respect énorme qui se dégage lorsqu'on fait partie de cette filière. Vielen Dank, Herr Hartwig. Was waren die Probleme und was sind die Erfahrungen bei der Implementierung der Maßnahmen für Energieeffizienz in Deutschland? Obwohl, nochmal bitte die Frage auf Deutsch. Es gibt eine Übersetzung durch die. Ich hatte ja nicht auf Deutsch gesagt. Also, kannst du mal die Frage wiederholen? Entschuldigung. Also, was sind oder was waren bis jetzt die Probleme und die Erfahrungen in Deutschland bei der Implementierung der Maßnahmen für Energieeffizienz? Ja, in Deutschland haben die Maßnahmen zur Umsetzung des Energieeffizienzprogramms auch schon eine lange Tradition. Unser erstes Gesetz für die erneuerbaren Energien oder Energieeffizienz geht schon auf das Jahr 2000 zurück. Es gibt also auch verschiedene Maßnahmen, wie man jetzt Strom und Wärme einsparen kann. Also insgesamt gesehen haben wir an sich auch überwiegend hier an sich die positiven Erfahrungen. Auch die Haushalte verfügen über genügend Geld, um diese Maßnahmen umzusetzen. Daneben gab es aber noch entsprechende Anreize von der Regierung. Auch auf Landesebene gibt es Maßnahmen, oder auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert ja auch für viele Haushalte oder auch für Industriebetriebe Maßnahmen, um Energieeffizienz einzuleiten. Insgesamt kann man auch mit den Ergebnissen bislang zufrieden sein. Natürlich gibt es auch Probleme, zum Beispiel jetzt hier bei der Isolierung von Fassaden oder auch Gebäuden. Da wird auch häufig kritisiert. Wir haben jetzt auch ein Gesetz, wo jetzt auch Einbauten dazu verpflichtet sind, entsprechende Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen. Und hier kommt es dann nur sehr stark auf die Qualität der Dämmstoffe an. Zum Beispiel wird von manchen kritisiert, dass das zum Beispiel für den Brandschutz nicht dienlich ist, weil die manchmal durch zumindest die schlechten Materialien auch als Brandbeschleuniger dienen können. Oder teilweise ist es dann auch so, wenn das nicht so sinnvoll die Maßnahmen auch sein mögen, um Energie zu sparen. Manchmal können dann auch die Wohnungen nicht mehr entsprechend atmen, also es kommt nicht mehr zu viel Luft rein. Es ist halt dann auch wichtig zu lüften, denn ansonsten können dann auch Krankheiten entstehen, ja, oder auch die Schimmelbildung in Gebäuden.
deswegen ist halt auch ganz wichtig, dass man halt hier auch wirklich qualitativ hochwertige Materialien verwendet. Aber im Grunde genommen, die Standardmaßnahmen, wie zum Beispiel die Isolierung von Fenstern oder Türen, wo halt auch die meiste Energie aus dem Gebäude herausgeht, kann man halt auch mit relativ wenigen Mitteln machen. Das ist auch schon in Mazedonien bei vielen Gebäuden angewendet worden. Aber natürlich, da hat Deutschland natürlich noch eine viel höhere Energieeffizienzklasse als hier. Und hier ist es dann auch meistens so, dass hier vornehmlich auch entsprechend kostengünstige oder billige Materialien angewendet werden. Und in Deutschland wird halt auch vermehrt auf Qualität geachtet. Vielen Dank. Professor Emilianov, haben Sie etwas zu ergänzen zu dieser Frage? Okay, wenn nicht, ich habe zwei Fragen. Ja, haben Sie... La traduction ne suis pas tout à fait. Okay. Falls Sie noch etwas zu dieser Frage zu ergänzen haben, Probleme und Erfahrungen aus Frankreich. Oui, en France, on a des objectifs très ambitieux, mais on ne voit pas très bien comment da, wo in Frankreich haben wir sehr ambitionierte Ziele, aber wir wissen ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie wir sie implementieren sollen, vor allem was den Energieverbrauch anbelangt, aber auch was die Reduktion der Nuklearenergie anbelangt. Das ist eine Debatte, die sehr lebendig ist derzeit in Deutschland und diese Debatte wird eigentlich überall geführt. Und in der Tat ist der Energiesektor sehr stark zentralisiert und wir haben keine starken lokalen Akteure, die hier Abhilfe schaffen könnten. Die erneuerbaren Energien sind also bei uns noch relativ stark zentralisiert. Dieser Prozess wird sicherlich noch lange dauern, um ja, peu à peu diese Dezentralisation vorzunehmen. Dann Frau Emilianov, ich habe gleich noch zwei Fragen an Sie von unserem Publikum. Wie ist Ihre Erfahrung bei den Verbesserungen der Energieeffizienz an Objekten, die als Kulturerbe bezeichnet sind? Welche sind die Möglichkeiten für die Verbesserung der Energieeffizienz an solchen Objekten? Ah, ça c'est une grande question pour les architectes des bâtiments de France qui fait aussi, voilà, qui ne fait pas consensus. Effectivement, en France, il y a beaucoup de bâtiments très patrimoniaux. Alors en fait, quand la question est posée, on essaie de réfléchir également en termes d'énergie grise. Puisque conserver intact un bâtiment, par exemple qui a des simples vitrages, ou mettre des doubles vitrages sur un bâtiment très culturel, très historique, ben, ça entraîne une dépense en énergie grise. Alors il faut bien peser la consommation du bâtiment, mais également le coût de l'énergie grise du renouvellement. Ça c'est une question qui se pose. Voilà, je pense que les architectes des bâtiments de France, qui est encore très vigilant sur la conservation du patrimoine, commencent à s'ouvrir, à accepter du panneau photovoltaïque sur les toits. On est en moins, on n'en voit pas beaucoup sur les églises, et c'est vrai qu'on a aussi autour des grands monuments, on a des périmètres de protection qui rendent difficile, en particulier l'installation du photovoltaïque autour de ces bâtiments. Und es nicht erlauben, so ein System anzubringen. Ich weiß nicht, ob wir das in die Frage haben beantworten können. Also, wir reden jetzt hier über Denkmäler, die als Kulturerbe bezeichnet werden. Vielen Dank. Und gleich jetzt noch die zweite Frage, die ich Ihnen angemeldet habe. Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach die besten zur Verhinderung der Umweltverschmutzung und für die erhöhte Erwärmung der Städte? C'est une question très vaste. Je l'ai dit, je crois beaucoup à la sobriété.
premières sources d'énergie renouvelable, ce sont les habitants qui ont l'énergie de se déplacer par eux-mêmes dans un bâtiment bien isolé. Ils peuvent passifs, ils peuvent être une source de chauffage. En Suède, on récupère toutes les formes de déchets des habitants, y compris la chaleur des eaux usées qu'on récupère pour chauffer les bâtiments. Donc je crois beaucoup en fait à cette économie circulaire, mais aussi à l'énergie civique, à l'énergie sociale, pour trouver des solutions. Et concernant la pollution, il y a différents types de pollution, mais pour la pollution atmosphérique qui concerne Skopje, on a bien sûr, comme je l'ai dit, des perspectives importantes sur le vélo pour changer d'échelle, c'est-à-dire pas considérer que les modes doux fonctionnent pour 3 km, ils peuvent très bien fonctionner pour 30 ou 40 km à l'échelle d'une région métropolitaine. Donc ça, c'est un changement d'échelle des modes doux. Donc je crois que cela nécessite des changements de représentation sur les transports et les modes du futur, sans aller nécessairement sur des solutions high-tech qui peuvent être onéreuses et qui ne sont pas à la portée de tous. Dass wir nicht immer High-Tech-Lösungen nutzen müssen, die auch sehr teuer sind. Vielen Dank, Professor Emiliano. Herr Bayar, was sind die Erfahrungen mit Biomasse von landwirtschaftlichem Abfall in Frankreich? Und was wäre die beste Ausnutzung der Biomasse? Was bedeutet das für die Energieeffizienz oder für die für energieeffiziente Anlagen in Ihrem Land? Biomasse aus landwirtschaftlichem Abfall und Ausnutzung bei dieser in energetischen, in energieeffizienten Anlagen. Avec des sociétés comme Agriomia, qui a constitué une usine sur le nouvel justement traitement de la bagasse, la bagasse étant le résidu effectivement qu'on a avec la canne de sucre, mais mélangé avec du traitement de bois, de ventre, de déchets de bois, qui a donné lieu à une usine qui s'appelle Galion 2. Qui va s'installer, qui va ouvrir normalement en 2015, donc cette année, en Martinique, et qui va produire aussi, alors je n'ai pas les productions exactes, mais qui pourra arriver à une certaine suffisance par rapport à ce suffisance énergétique. Donc on voit effectivement que les expériences sont quand même assez nombreuses. En plus, il y a toutes. Donc ça, c'est des expériences vraiment importante, avec des centrales vraiment très conséquentes, avec un traitement effectivement des problèmes qu'on dit par rapport à du dioxyde de soufre, du NOx aussi, et puis aussi fois du CO2. Après, il y a aussi des initiatives plus locales, comme je parlais tout à l'heure, où on essaye de développer des petites centrales sur des villes moyennes, sur les tailles. Cahors, je ne crois pas qu'ils aient lancé Cahors, c'est le chef-lieu du département du Lot. Enfin, désolé, c'est très local. Mais donc voilà, il y a une tentative aussi au niveau local de passer au-delà effectivement seulement des centres de chauffage, mais aussi d'aller effectivement vers la cogénération, on parlait tout à l'heure, à savoir effectivement d'utiliser le bois pour produire l'électricité, pour produire de la chaleur pour les logements. C'est assez riche. Mais bon, après, c'est très. En fonction du contexte local, ça peut être très, très vaste. Merci. Und von den Vorbereitungen, von den im Voraus vorbereiteten Fragen stelle ich jetzt die allerletzte Frage an Herrn Hartwig, damit wir Ihre Fragen hier haben. Herr Hartwig, hier kommt eine sehr direkte Frage. Es lautet, ist die Atomenergie eine Gefahr für die Umwelt und für die Lebewesen?
nuklearna energija je navistina problem za životnu sredinu i za živite suštestva. Što su ti su vadi? Da, moram se kako da kažem da je tako. Što se odnesuva do Fukushima, možemo da vidimo da suština ne možemo da ga kalkuliramo u odnosu na nuklearnu energiju. Evo i nova nuklearka koja što se planira u Angliji, koja što zavisi od problema subvencija. Znači, bez subvencija ne bi možela ova nuklearka uopšte profitabilno da se izgradi. Što druga strana, znači da mora da bude se to ovaj nivo soglasnost nevisu zakonodavstva da ne Evropska unija. Ja si podelam ova mislenje deka nuklearna energija je opasna energija i deka Durika je najnovite nuklearki, ebe kako na primjer vo Anglija, kada što bi bilo nili nekako imalo smisla da se izgradi nili jedna ovakva nuklearka, a među to druga strana se ipak je opasan za sredinata. Zato što mislim da osobeno nije regulirano prašanje to oko atomski otpad. Što se, znači to se raboti koji što ne se zemat predvid. I predprijatijete koji što gradat nuklearki mora da premavat na ovije raboti. Znači, od jedna strana se opasni nuklearkite, od druga strana, od ekonomska strana, možemo da kažem da ne može baš mnogo jasno gdje se kalkulirat. A svega imame možnost ne li da postavujeme prašenje, Branko, povelite. Monsieur Hardwick, donc merci de vous être joint dans ce séminaire et dans ce panel. En essayant un petit peu de me documenter pour préparer le séminaire et être en phase avec tout cela, j'ai lu une information très intéressante. L'Allemagne prévoit de se passer en quelque sorte de ses centrales nucléaires. Il en a fermé certaines, et il y en a encore 9 qui sont en activité. Et donc les prévisions seraient qu'à l'horizon 2020-2022, si je suis bien documenté, elle se passera donc de ces centrales nucléaires. Et ma question serait plutôt comment est-ce que l'énergie produite par ces centrales seront remplacées? Par quelle source d'énergie? Est-ce que c'est plutôt l'éolien? Est-ce que c'est plutôt d'autres formes de production d'électricité, ou bien peut-être l'importation venant de pays extérieurs? Да, секако ова е прашање нели на трошоците, на финансиското прашање, што од сега да го компензираме нели тоа на пуштање нели на нуклеарната енергија. А секако дека тие нели многу се добиваат електрична енергија. Меѓутоа имаме сега за сега можеме, нели, а од се тоа профитират и нашите соседи, затоа што ја користат и можат доста ефтино кај нас да добијат електрична енергија. Но, од друга страна, плаќаат одредени нели данци за се тоа. Ние не се грижеме многу за тоа, дека нема да успееме до 2022 година, затоа што имаме и ветерни паркови, кои што исто така, знам дека сега за сега се уште поскапи, меѓутоа, тие се субвенционирани од нашата влада, треба нели да
se misli na to, da ta energija treba da bide transferirana na kupno, treba transferirati da se prava tako Južna Germanija, znači energija tako što se prizvedva gore na sever, bo more tukaj treba da se distribuira ili na kupno ponadamo. Така што јас сум за таа децентрализација што се десува до енергетиката, имаме неколку пилот проекти во Германија. Јас мислам дека вакви големи проекти може би видена не да видат потребни. Ми, во времето мине, ми секако дека нели денес, од денес натаму до 2022 година не ни преостатува многу време, но мислам дека не е доцна, имаме доста пилот проекти и доста добро функционираат кај нас. И ако се употреби соответната суровина, особено во региони каде што имаме доста шума, значи факторот или средството од дрво може да се искористи, каде што имаме централи или каде што се произведува електрична енергија со помош на дрво. Така што исто така имаме и централи кои што произведуваат газ и тие произведуваат многу ова електрична енергија, но тие се поскапи малку од и други видови на производство на астимија, како што е, например, јагленот. Но вкупно земено, мислам дека имаме капацитети за да го компензираме исклучокот или напуштањето на нуклеарната енергија и се разбира што се однесува до ефикасността, ќе мора во иднина или да штедиме електрична енергија. Тоа е секако еден битен стол по рамките на енергетската политика. Дали имаме други прашања? Благодарам господине Хартвик. Ја гутен чак. Електрик. Имам прашање до представниците од двете држави. Сакам да прашам дали сте запознаени со зелените градови, дали имате пилот проекти од типот на зелени градови. Подразбирам зелени градови не градови со зеленило, туку градови кои што се тотално енергетски независни. Зашто го прашувам ова прашање? Веќе подолго време следам една компанија која што се наоѓа така по на исток, поточно во Кина, каде што има една компанија која што произведува екобатерии. Тие екобатерии се користат за електрични автомобили и електрични автобуси. Таа компанија е поддржана од, може го знаете, најверојатно го знаете, Ворен Бафет. Компанијата во соработка со владата на Кина дава директива, има таргет 20 држави, 20 градови во Кина, помали градови во Кина, да бидат предодредени за зелени градови. Што значи тоа, каде што државата ги субвенционира граѓаните да купат електричен автомобил, исто така ги на некој начин ги форсира со таа директива компаниите за градскиот транспорт да го сменат начинот на полнење на резервоарите на автобусите, туку да бидат со електрични автобуси, и исто така такси компаниите целосно се преориентираат на, да речеме, електрични возила. Vielen Dank, Herr Milan. Благодарам. Wer möchte die Frage übernehmen? Дали има некој друг кој би сакал да постави прашање? Frau Emilianov, möchten Sie die Antwort dieser Frage? Дали би сакал да одговорите вие на ово прашање? Je réponds. D'après ce que je connais en Europe, je connais bien la Chine. Tout est question de taille. Donc, effectivement, il existe des villes qui produisent autant d'énergie que leur grosse consomme, voire plus en France, et ce qu'on appelle les territoires énergétiques petits. Il y a là, ce sont des petits territoires ruraux. Et en Europe, il existe en Autriche, dans des bassins, donc c'est des villes qui peuvent atteindre 20, 30 000 habitants, dans des régions extrêmement, qui ont un gros potentiel en biomasse. Et tous les secteurs géographiques n'ont pas ce potentiel en biomasse. Au-delà, par exemple, imaginez une autonomie énergétique pour Paris ou Moscou, des millions d'habitants. Le
pense que là, c'est un effet de marketing en Chine. Si on veut vraiment développer l'énergie sur les grosses métropoles, c'est très compliqué. Ce n'est pas avec des véhicules électriques qu'on va résoudre la question de l'énergie énergétique. C'est toute petite partie de la question, à mon sens. Donc, il faut faire attention à l'affichage en Chine, pour connaître quelques cas. Mais la question de l'autonomie énergétique reste une question sérieuse qui est quand même très difficile de poser à l'échelle métropolitaine. Si on arrivait à effectivement se diriger vers une décentralisation très forte avec la micro-production d'énergie renouvelable, on pourrait avoir un potentiel. Mais là, c'est l'échelle du futur. On est là dans de la prospective encore un peu éloignée, à mon sens. Inni gradovi, što za svega, spored mene, ova ideja je mogu daleću. Vielen Dank, Herr Bayard, bitte noch einen Kommentar. Un simple petit commentaire par rapport à ces thématiques. On parle beaucoup d'électrique, on parle beaucoup effectivement de que tout va être solutionné par l'électrique. Madame Hélène Neuf avait fait remarquer l'empreinte grise. Je pense que quand on raisonne effectivement sur du... sur des autonomies et puis des choses sur le verre, il faut voir le verre en local, il faut le voir au global. Parce que quand on produit, par exemple dans le domaine des voitures électriques, que je connais un peu, la chaîne de traitement de véhicules électriques avec les batteries et autres, l'impact environnemental, quand on fait le bilan, c'est pas forcément ça. Но сепак тоа не е едноставно да се примени. Треба многу напори да се вложи за сето тоа добро да функционира. Благодарам, господин Бајар, дама до економски факултет. Bitte halten Sie sich kurz. Je m'adressais à Madame Emilia Neuf et Monsieur Bayard. Vous avez parlé d'économiser de l'espace dans une ville. Vous avez parlé d'autoroutes cyclables. Vous avez parlé d'un moyen comment réduire la mobilité des citoyens, que tout soit centré. Vous avez parlé d'entreprises locales, d'énergie publique, etc. Et j'aimerais vous demander, en voyant Skopje, en voyant la Macédoine, en voyant la capacité de ces pays, qu'en pensez-vous, quelles idées vous viennent en tête quand vous réfléchissez en tant qu'expert ici dans ce pays, qu'est-ce qui vous vient en premier, juste un petit... voilà. Je ne connais pas assez bien Skopje, mais effectivement, il y a un problème de pollution atmosphérique très lourd qui pourrait être atténué par le déploiement des modes doux. Je pense que c'est l'avant-garde aujourd'hui au Danemark, en Allemagne, et donc ça va arriver un petit peu dans toutes les villes. Ce déploiement des modes doux à des échelles insoupçonnées, qu'on gardait les voisins pour des toutes petites échelles. Ensuite, bien sûr, c'est la question de transport en commun, mais là, ça nécessite des investissements qui ne sont pas forcément à portée. On a aussi besoin, évidemment, de transport en commun. Voilà. Et j'avais une interrogation, mais je ne connais pas assez la situation sur le réseau de chaleur, parce que j'ai cru comprendre qu'on a laissé tomber le réseau de chaleur. Or, partout, en tout cas en France, on essaye de développer des réseaux de chaleur. Et je me dis peut-être qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Peut-être que cet héritage de la période communiste est peut-être intéressant si ce réseau de chaleur pouvait être modernisé et passer à la biomasse. C'est aujourd'hui quelque chose de très précieux, un réseau de chaleur. Alors, est-ce qu'on peut le moderniser ou est-ce que c'est un panier percé, il y a trop de fuites, ça serait trop coûteux. Je ne connais pas assez bien la situation, mais ça forme un potentiel intéressant pour la ville dense. Vielen Dank, Professor Miljanov. Leider haben wir Zeit nur für noch eine Frage. Wenn ich richtig gesehen habe, da hat sich der Herr als Erster gemeldet. Wir werden während des Mittagessens eine Gelegenheit für informelle Gespräche haben.
Здравствуйте. Я Зубикова Христовский, магистр по электротехника, специалност обновливи извори на енергия. И имал две кратки прашања, се надевам дека на право место ќе ги поставам. Значи се однесуват на представниците од двете држави. Ги следам трендовите во Македонија во смисла како се овозможува на идните инвеститори да инвестираат во обновливите извори енергија, посебно во изградба на фотоволтаични централи. Па би сакал да добијам, ако е можно, значи, одговори за фидин тарифите или бенефицираните тарифи во Франција и во Германија. Во смисла да направиме споредба ние како Република Македонија, како потенцијално идни членки на Европската Унија, во однос на Франција и Германија како членки на Европската Унија, значи бенефицираниот, бенефицираната тарифа за која државата ја исплаќа на потенцијалните инвеститори во областа на фотоволтаичните централи. И уште едно кратко прашање, доколку имате од вашите матични држави познавање на легислативата, во смисла дали физичките лица, односно семействата, можат да бидат повластени производители, во смисла истите тие да произведуваат електрична енергија од фотоволтаични централи, истата да ја предават на локалната дистрибутивна мрежа. Ви благодарам. Hartwig и госпоѓа Емилијанов. Wichtigste Argument um Investoren anzulocken, што се десува до привлекување на инвеститори, да се понуди. Ретите се разбира како можеме да ги поттикнеме или како може правецот да ги поттикне ако ги работи, тоа се практикува во повеќето држави. Алтернативно, често се употребува зелени сертификати или пак преку субвенции на инвестиции. Според ЕУ, односно легислативата на ЕУ, не може да ни да се субвенционира. Значи не можеме сега тарифата за електрична енергија да субвенционира во исто време. Секако дека инвесторите очекуваат поголема ретита, поголема заработувачка во Македонија, колку во Германија, затоа што во Германија има многу поголема правна сигурност. За на крајот, нели, на вистина треба се плати таа цена. Но знам дека многу малку проекти има во секторот за фотоволтаик. Но секако и од владата мора да постои желба, нели, да допушти вакви проекти. Но исто така е прашање, нели, на трошоците, на финансии. Мислам дека тоа би било поскапо во споредба или со досегашниот начин на добивање електрична енергија. Многу домаќинства нема веројатно да бидат во состојба да плаќаат повисока цена за електрична енергија и затоа ќе мора многу да се избалансираат овие работи. Дали воопшто може, нели, да се инфлит од тоа. Например, мојот пристап сега децентрализацијата, ако сакаме тоа да го спроведеме, тогаш мора и законодавецот нели да ги предвиди сите овие работи на комунално рамниште, на локално рамниште, за да можат да се спроведат собствени проекти, например, преку комуналните служби, за да може се тоа да се покрие. Што се десува до второто прашање? Фотоволтаик уреди можат да се приклучат на локалните мрежи за собствена употреба. Тие инвестициски трошоци веќе се намалени во меѓувреме. Фотоволтаик е сега многу поевтино, отколку што
или струја што се добива преку биомаса или преку или со помош на јаглен. Но исто така не говориме само ни за добивање на електрична енергија, туку исто така на топлата енергија преку фотоволтаик. Значи, топла вода, исто така би била нели тема која што е интересна за Македонија, што може да се потекне во Македонија. Може би да се направи преку мала кредитна линија програма, нели кредитна програма, за да можат нели мали ова потрошувачи да ја користат ова енергија. Ви благодарам на експертите за времето што бидовте денеска за нас. Непосредно пред нашиот заеднички ручек би сакале да ги представим уште два филма. Едниот филм што е однесува на германскиот пат, кон енергетската транзиција. И вториот филм ќе се... конференцијата во Париз.